Les gouverneurs de la province du Tanganyika, l'honorable Christian Kitunga Mutiba, a pris part à la cérémonie d'ouverture de la session ordinaire de septembre 2024 à l'Assemblée provinciale du Tanganyika, c'est 30 septembre 2024. Étaient également présents les membres du gouvernement provincial, le maire de Kalemie, les membres du conseil provincial de sécurité et une assistance composée des responsables des services étatiques et para-étatiques. Dans son discours d'ouverture, le président du bureau de l'Assemblée provinciale, l'honorable Cyril Kimpuawel, est revenu sur les principales activités menées par l'organe délibérant pendant les vacances parlementaires, ainsi que sur les recommandations adressées au gouvernement provincial pour le développement de la province. Cela témoigne de la collaboration étroite entre les deux institutions. Honorables députés, chers collègues, je ne peux terminer mon propos sans inviter chacun d'entre nous à déposer son rapport des vacances parlementaires dans le délai pour permettre d'examiner les contenus afin de formuler des recommandations à l'endroit des exécutifs provinciaux. Tout en espérant que le travail de la session ordinaire de septembre 2024 seront bénéfiques pour notre province, je déclare ouverte la session ordinaire de septembre 2024. Je vous remercie. Déterminés à œuvrer pour le bien-être de la population et de sa juridiction, les gouverneurs Christian Kitunga Mutiba a exprimé sa volonté de rester ferme sur la voie du développement qu'il a tracée pour la province en prenant en compte les recommandations des élus pour un Tanganyika émergent.